Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, oui, mardi 18. Et on va ouvrir la suite du calendrier de l'Avent de mon anniversaire. Donc on a le 15, le 16, le 17 et le 18. Et j'ai deux paquets 16 et 18 à ouvrir aussi, voilà, à côté. Alors, c'est parti, on commence par le 15, comme ceci, qui est un peu orangé... saumon, on va dire, voilà, avec des petites fleurs, voilà, comme ceci. Et le café, j'ai déjà pratiquement tout bu. Je crois que j'ai tout bu d'ailleurs. Alors, on va ouvrir. Donc, du coup, ça tombe bien, ça va me faire des petites capsules en plus. Alors, alors là, gâté, nous avons un chocolat comme ceci, noir. Alors, je n'avais pas vu, moi, je croyais que c'était tous les mêmes. Et celle-là m'a dit non, regarde, maman, t'en as des noirs et t'en as des laits. Et moi, les deux que j'avais mangés, c'est vrai que c'était au lait. Donc, du coup, j'avais pas fait gaffe. Là, j'ai pas du tout de lumière dans la scrap room. On a eu du soleil tout à l'heure. On a du beau temps, du pas beau. Je vais allumer un petit peu. Donc là, on a un gros Côte d'Or comme ceci, chocolat noir. Nous avons la petite gaufrette. Alors, celle-là, je les ai toutes descendues. Il n'y en a plus. Elles ont toutes été mangées. Je ne sais pas qui c'est qui les a mangées. Et la capsule de café. Donc, c'est top de chez Top. Et à l'intérieur, nous avons... des petits charmes. Oh, c'est trop sympa. Alors, nous avons plein de petits charmes comme ceci. On a une encre de bateau comme ça. Nous avons un l'arc de Cupidon. On a une petite lollipop comme ceci. On a celle-ci avec une rose. On a une barre de bateau. Un cœur, on a un cheval à bascule, un petit smiley et un éléphant. Trop joli, merci beaucoup Véro, c'est trop chouette. Encore gâté dans cette boîte quoi. J'ai deux friandises, j'en ai pas une, j'en ai deux. Donc c'est top. Je vous dis, les petites gaufrettes comme ça, je les ai posées. Je vais en manger une ce matin. J'ai dit, ah bah d'accord, il n'y en a plus déjà. Bon. En même temps, ça se mange tellement bien ça. Et puis là, c'est une bouchée quoi. Vous mettez dans la bouche et hop hop hop, ça part en deux. Donc voilà pour le numéro 15. Alors le numéro 16, la boîte, elle est comme ceci dans les tons de bleu. Hop, toute bien faite à chaque fois. Et là, nous avons donc le petit mot pour me dire. Il faut que j'ouvre le carton numéro 2, donc le 16 juste là. Oh, des scratch roses, je savais même pas que ça existait. Donc la petite gaufrette, c'est cool. Notre petit Côte d'Or chocolat noir comme ceci et la capsule de café, trop bien. Et nous avons des petits scratch comme ceci mais en rose. Alors je savais pas que ça existait. Je savais que ça existait en noir et blanc, mais après, je ne savais pas qu'ils faisaient en couleur. Ça se trouve, ça existe en bleu, en vert, etc. Ben, je ne savais pas du tout. Donc, ça existe en rose aussi. Donc, même vous, si vous ne saviez pas, maintenant, vous savez. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est top. C'est top. Merci beaucoup, Véro. C'est génial. Je ne savais pas que ça existait en rose. C'est trop bien, ça. C'est trop bien. Quand vous avez une créa justement rose, vous mettez rose. Si ça existe en rose, à mon avis, ça en existe en d'autres couleurs et vous pouvez assortir en fait avec la couleur de votre créa, quoi. Donc c'est cool. Ouais, c'est génial. Moi, je savais pas. Donc le numéro 16, il est juste là. Alors, au toucher, je dirais des stickers. Ouais, moi je dirais des stickers ou un truc comme ça. Il y a des petits... ça fait un peu 3D, donc je dirais... Je sais pas. Je dirais des stickers. Des stickers, mais vous voyez, des stickers épais. Ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Complet. Vu que depuis le début, elle me fait des trucs de fou, ça se trouve, j'y suis pas du tout. Allez, on ouvre ensemble, on regarde. Alors, pas du tout, Bétime. Alors, pas du tout. Ok, c'était en 3D, mais ce n'est pas du tout des stickers. Alors, là, j'étais à
3000 lieues de savoir ce que c'était. Donc en fait, c'est des rubans comme ceci. Alors, on en a des rouges, des roses, des blancs, des noirs et blancs, et en beige. Ils sont sympas ceux-là. Merci beaucoup. Alors, ils font 10 mm sur 2,50 m. Donc, ils font 1 cm par 2,50 m. Alors, on a du rouge avec les petites bandes blanches, comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous de toute façon. En rose, comme ça. Dans le même, mais en noir et blanc, comme ceci. On a noir et blanc, comme ça. Noir et blanc, comme ça. Et dans les tons de beige et de noir, comme ceci. J'en ai un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Ben là, ça va rester emballé comme ça pour le moment. Je ne vais pas y toucher, je vais laisser. C'est bien rangé pour le moment, je vais laisser comme ça. Merci beaucoup. Excusez-moi. Fallait que ça sorte à un moment donné. Comme il dit Shrek, vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Là, on a la petite bouteille de parfum dans les tons de jaune pour le numéro 17, comme ceci. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? J'adore ces petites ouvertures-là. Ah, j'aurais pu faire au jour le jour, mais bon, comme je vous ai dit, vaut mieux faire comme ça au moins. Ouais, c'est pareil, les spéculoos, j'en ai plus. Jérôme, il les a tous mangés. Donc voilà. Il prend un café ou il rentre du boulot. Et je pense que c'est lui qui m'a mangé, gaufrette. Donc des petits spéculoos comme ceci. Trop bien. Merci. Je crois que j'en ai mangé un. Le chocolat noir Côte d'Or. Notre capsule de café. Et du ruban blanc. Comme ceci. Je vais être garni en ruban et c'est pas du ruban, c'est de la dentelle, Betty. De la dentelle. Ouais, je vais être garni avec la dentelle et le ruban, c'est cool. Et là, on a un ruban blanc qui a l'air d'être large. Ouais, c'est ça. Vous voyez, elle est comme ça. Il est sympa. Hein. Alors, ce qui est bien avec le blanc, c'est que vous pouvez le. Même si vous faites du vintage ou quoi, vous pouvez le. L'ancrer avec une encre et lui donner l'aspect un petit peu plus vintage, etc. Après, vous pouvez l'ancrer avec toutes les couleurs. Hein. Du blanc, voilà, vous pouvez faire en rose, en rouge. Voilà, comme ceci, c'est top. Et la dernière boîte pour aujourd'hui, donc c'est le numéro 18 dans les tons de violet. Pareil, avec les petites fleurs, les petits strass, etc. Toutes, hein, franchement, elles ont toutes été super bien faites, bien, franchement. Elle s'est donnée un mal de fou pour faire ce calendrier de l'Avent. Moi, j'hallucine encore à chaque fois que j'ouvre les boîtes. Hein, de toute façon, c'est un truc de dingue parce que je me dis, voilà, ça a été un boulot monstre à chaque fois. Et puis bon, il n'y a pas que la boîte en elle-même. Il y a le remplissage, il y a la déco dessus. Enfin bon, voilà, c'est un tout, quoi. Voilà, c'est un tout. C'est un truc de fou. Franchement, Véro, t'as craqué. Eh bien, voyez. Regardez, je vous ai dit, je suis sûre que ça existe en bleu. Regardez, c'est en vert. Vert bleu un peu. Ah ben voyez, j'avais raison. Ça c'est cool, je savais pas. Hein. C'est génial ça. Donc là on a d'autres scratchs, mais dans les tons vert bleu. Donc vous voyez, ça existe en toutes les couleurs en fait. Ça c'est cool. Ben merci, c'est génial. Enfin, ben franchement, je suis super contente. Déjà une, je découvre. Et de deux, bah les scratchs, moi je m'en sers pas mal. Donc c'est top. Ah ben merci, c'est génial. C'est top de chez top. Là, on a la petite étiquette pour le numéro 18. Nous avons, bah oui, celui-là, il y a marqué lait, noisette entière, vous voyez. J'avais pas fait gaffe. Donc là, on a le au lait. Et là, c'est pur chocolat noir. Et il est aux noisettes aussi, celui-là, pour le sang derrière. Et moi, pour l'instant, je te tombais que sur du lait. J'avais pas fait gaffe. La petite gaufrette qui va bien. Ça c'est génial, si j'ai le temps d'en taper une. Et le petit café. Ça c'est top. Donc, du coup, ça me fait 4 capsules. Ça va me faire ma journée. Non, je déconne. J'essaye de diminuer le café. Depuis ce matin, j'en suis. Ah, bref, remarquez. Depuis ce matin que je suis debout, j'en suis à 3. Donc, après l'après-midi, j'en bois moins maintenant. Avant, j'en buvais beaucoup. Et maintenant, on essaye hein, de diminuer. Donc, le numéro 18 se trouve ici. Bon, alors je vais dire un truc, mais ça n'a rien à voir. Bon, je dirais du papier.
Ou pas d'ailleurs, on dirait un livre, on dirait un carnet. Non, un carnet, je dirais un carnet moi. Bon, c'est du papier le carnet. Je dirais un carnet ou un cahier ou un truc comme ça. Ouais, moi je dirais un carnet. Carnet, cahier. La fille dit tout carnet, cahier, papier, pierre, ciseaux, chifoumi. Non, je déconne. Qui veut faire un chifoumi avec moi? Chifoumi. Qui c'est qui a perdu? C'est moi. Alors, maintenant il se chifoumi, mais avant c'était pierre, feuille, ciseaux. Et après ils ont changé en chifoumi. C'est comme le hashtag. Hein. Hashtag. Avant ça s'appelait pas hashtag. Ah oui, mais non, c'est du papier. Elle est folle. Putain, mais non, mais Véro, sans déconner. Alors, c'est un papier minté et ça s'appelle Blissful Time. Il a l'air trop beau. Regardez. Et à dedans, il n'y a pas que le papier. Franchement, t'abuses, Véro. Allez, on découvre ensemble. Donc là, on a un papier bois bleu. Là, on a un papier bois un peu rose comme ça. Là, ça fait un peu vieilli. Là, pareil, ça fait ça, c'est comme de l'écorce en fait de bois. Là, pareil, vieilli. Là, on a des genres de petites fleurs un petit peu dans les tons. Les tons un petit peu rose comme ça. Là, ça fait un peu pareil, écorce rose. Là, du bois, c'est vachement en bois. On a des petites fleurs. Là, on a. Minta, ils aiment bien mettre ça là. Un truc comme ça. Là, on a du feuillage. Là, on a un genre de rideau. Ça fait un peu. Un peu, on dirait indien, tout ça, ça. Là, on a bois bleu comme ça. Ouais, vous voyez, ça fait un petit peu, vous savez, les trucs indiens, tout ça, qu'on voit comme ça, là. Ça et le macramé. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça fait un peu indien, tout ce qui est un peu... ouais, voilà, indien comme ça. Là, on a des petites découpes avec des bouteilles, des petites plumes, tout ça. Sympa, ça change. Là, on a pareil du bois bleu. Là, on a comme un ciel bleu avec des nuages. Et là, on revient, je crois, au début. Ouais, c'est ça. Et sympa, ça change. Après, il y a beaucoup de fond. Et voilà, on a les dice cuts. Mais t'es fou, là. Et nous avons les dice cuts qui vont avec. On a comme des attrape-rêves. On a... Ouais, c'est ça fait un peu indien. Alors après, la déco comme ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Vous me direz en commentaire. Mais voilà, au niveau des découpes, ce qu'on a. Et vous voyez, il y a même un genre de petit tipi là en bas. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'elle zoome bien la caméra? Je sais pas. La petite échelle, tout ça. Ouais, c'est sympa, ça change, j'aime bien, moi. Ah ben j'aime beaucoup, je te remercie beaucoup Véro, mais pff, fallait pas s'en déconner. Je fais froid là. Mais je te remercie beaucoup. Il est super beau, j'adore. De toute façon, le papier minté, j'aime beaucoup aussi. Il est vraiment très très joli. En plus, j'ai pas mal de feuilles hein, dedans. J'en ai 24. Et ça fait 250 grammes. Mais merci beaucoup Véro encore pour tout. Tous ces petits cadeaux là, je suis bien gâtée comme d'hab. Hein. Voilà, à chaque fois que je fais l'ouverture du calendrier de l'Avent, là je suis en train de chercher ma petite boîte à scrap bidule. Comme d'hab, on va ranger. Vous voyez depuis le début tout ce que j'ai. Donc les dentelles, vous voyez, j'ai de quoi faire. Et là, on rajoute les petits scratchs. Et j'avais eu des scratchs. Ah ben ouais, mais au début, ils étaient pas blancs, ils étaient un peu jaunes. Donc c'est ça. J'ai du jaune, du bleu. Et du rose, c'est génial, c'est top. Donc là, on range ça et les petits charmes aussi. Ah ben la boîte a été bienvenue en fait. T'as eu fait exprès pour que je range tout dedans. Et vous voyez, la boîte elle va être pleine à la fin. C'est clair. Bon, moi, c'est tout rangé. Hop, et c'est top. Et ben merci encore une fois Véro pour tous ces petits paquets, enfin ces petits.
Tout est relatif, hein, toutes ces petites boîtes de parfum bien garnies, bien remplies. J'ai retrouvé des petites gaufrettes, c'est trop bien. Voilà. Et voilà, je te remercie encore une fois beaucoup. Donc nous, on se retrouve dans quelques jours pour, pareil, faire une ouverture avec 3-4 boîtes comme ça. Ben voilà, c'est une vidéo un petit peu plus longue que 2 minutes. Allez, sur ce, je vais vous mettre la vidéo maintenant. Ben, passez une bonne journée. J'espère que vous aussi, vous avez un peu de soleil. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous la team.